Vas-y, avec ça. Et puis, on rajoute des trucs dedans qui font durcir tout ça. Et puis après, ça fait une maison. Voilà. J'espère qu'ils vont peindre ces bâtiments, cette couleur-là. Alors. Raconter. Histoire de provoquer l'œil. De faire chercher. Dans un quartier où il y a beaucoup d'hôtels. Alors c'est un endroit où descendent pas mal de célébrités. Alors il y a là cet immeuble-là, le grand immeuble blanc, est un hôtel assez célèbre où descend tout le temps l'actrice Lily Varmezef. Alors si vous vous penchez, parfois j'ai vu aux fenêtres, elle habite toujours au deuxième étage. On n'aperçoit rien aujourd'hui. Et en face, il y a un tout petit hôtel alors de troisième catégorie, disons, où descendent tous les paparazzi. Alors il y a souvent, ils s'installent là, ils louent des chambres à la semaine et ils mitraillent pendant un long moment. Alors c'est assez drôle de se promener, de jeter un œil. Peut-être que vous auriez pu avoir une photo exclusive. Je sais pas, quelqu'un a vu quelque chose ? Il faut le mettre au début, vous voyez. Donc en fait, les travaux n'ont... Regardez ce qui se passe derrière, de l'autre côté. Alors, nous arrivons ici dans une rue qui est très, très prisée et très fréquentée parce qu'elle est assez magique. Elle est faite d'une succession d'arcades, comme vous voyez, où il y a tout plein de petits magasins. Et c'est une rue très, très cosmopolite où il y a énormément de choses à voir. D'ailleurs, vous voyez les gens qui s'agglutinent comme ça devant les vitrines. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et il se passe quelque chose d'assez étonnant parce que les gens remontent la rue et généralement sans même s'en rendre compte, eh bien, ils la redescendent de l'autre côté. Et ça fait toute une espèce de va-et-vient permanent qui est assez, assez beau à voir. Il faut que l'exécution corresponde à ce qui avait été prévu. Sinon, un décalage trop important pourrait provoquer de graves perturbations par rapport au contexte, tout ce qu'il y a autour. Vous savez, tout se joue lorsqu'on fait les plans. C'est à ce moment... Malpen... Tapez. Le monsieur là, qui arrive avec sa boîte noire, vous l'avez, sur votre droite, vous avez vu cette grosse boîte à roulettes ? C'est un opticien ambulant. Alors ce monsieur est assez pittoresque dans notre ville parce qu'il se déplace comme ça de quartier en quartier. Et quand un endroit l'inspire, quand un trottoir lui plaît, eh bien il s'installe, il ouvre ce qui est son atelier en fait ambulant et il répare sur place toutes sortes d'appareils optiques. Alors des lunettes brisées, des appareils photo, des longues vues, pourquoi pas. Madame, vous croyez qu'il pourrait réparer ses jumelles ? Elles ont un problème ? Bah, c'est-à-dire on ne voit pas très bien à travers. Tu peux regarder ? Mais bien sûr. Ouh là là, oui, en effet. On voit plus qu'au centre. Hein. Mais avec le mouvement, c'est beau. En passant, rien n'est figé. Une forme peut en devenir une autre.
Vous cherchez ? Vous cherchez quelque chose ? Derrière les vitres, ce qui se passe déborde. Vous allez voir qu'il y a une très grande tranchée qui fait vraiment tout le long de la rue. Et ça commence là. Voilà, regardez ce long alignement, cette ouverture comme ça de l'asphalte. C'était des travaux de câblage simplement. Et puis les ouvriers sont tombés sur un alignement de pierres qui leur semblait étrangement rectiligne. Alors on a appelé les archéologues et puis l'armada d'archéologues est arrivée, tout a dû s'arrêter, fini les câblages. Et il se trouve que ce que vous voyez maintenant, en fait, c'est un musée à ciel ouvert. Parce que ces pierres qui avaient l'air anodines, eh bien, c'est des anciens remparts de la ville. Ça a une valeur historique inestimable. Et quand on y regarde, c'est difficile d'imaginer ça parce qu'il y a tout plein de déchets qui tombent. C'est pas protégé, donc des bâtiments tombent, des morceaux de tuiles tombent, du gravat. S'y glisser, y descendre. Qui passe lève la tête. En fait, les formes, les couleurs, la structure du bâtiment, tout ça, ça va parler, si vous voulez, de manière à amener le... Arrêter le mouvement. Ici, on arrive dans une rue qui est intéressante parce que elle a été bâtie dans un laps de temps assez court, dans les années 20. Donc, les immeubles sont tous d'un style très apparenté. Et une jeune architecte russe, Carla Sinovitch, a eu l'idée de procéder à un espèce d'effet miroir. C'est-à-dire qu'elle a construit un premier immeuble de ce côté-là. Si vous vous tournez, parce qu'on est déjà passé malheureusement, mais c'est celui qui a des tuiles rouges et puis les balcons et des frises. Eh bien, cet immeuble-là, si vous continuez, vous allez retrouver exactement le même de l'autre côté. Ce qui donne une impression de déjà-vu, en fait. Chercher quelque chose. Est-ce que je pourrais regarder un petit moment dans votre appareil? Juste un petit moment. Ouais. C'est eux qui vous ont posé une question non. Sur le... Bah, allez, juste comme ça. Comment ça marche? Ben, si vous voulez, vous mettez votre œil là, et puis là, vous avez la netteté. Voilà, ici. Vous allez doucement. Voilà. Vous voyez, c'est un chantier. Ici, on est sur 5 niveaux de dalles en charpente métallique. Autant d'étages qu'il va y avoir au-dessus de nos têtes. Voilà. Regarde, filme le sol, là. Ben, attendez, vous regardez quoi, là?
À l'intérieur du bâtiment éventré, ils ont laissé les radiateurs. Non, mais c'est et pas on ça. Voit non, mais c'est... Attendez, c'est pas par là. C'est... Si vous voulez, ça, c'est un instrument de mesure. Hein. Même les éclats ça... dans les mailles, c'est ouais, trop mais moi, ça me permet, c'est un théodolite, si vous voulez, ça me permet de prendre des côtes. Hein. Moi, je pars du plan et j'ancre le bâtiment dans l'espace. Mon travail, c'est ça, voilà. Mm-hmm. Hein. C'est un instrument de précision, c'est pas fait pour regarder les radiateurs ou je sais pas. Là, il y a un truc intéressant, par contre, c'est... Attendez, laissez-moi, me permettez. Là, attendez, je... voilà, là, regardez là. Voilà, vous voyez, juste là, vers l'ouvrier, là, on va construire des arcades, vous voyez. Des arcades d'un nouveau type, entièrement transparentes, lumineuses, sans aucun mur qui viendra boucher la vue. Vous pouvez me prêter vos jumelles, si vous voulez. Elles me connaissent, tu crois? On ne voit pas très bien depuis ici. Justement, on voit, là, juste, laissez-moi, voilà. Vous voyez, le long du mur, là, on est en plein dedans. Vous voyez les traces oranges qu'il y a le long du mur, hein? Eh bien, ces traces oranges, bon, évidemment, elles vont disparaître, mais c'est le point de départ de la structure porteuse, vous comprenez? Au-dessus, il y aura des bureaux avec des cloisons entièrement vitrées. Pardon, merci. Là, on va mettre en place un système de... tout un réseau de câbles, de fibres, tout un réseau. Et ce réseau va relier tous les bureaux entre eux et au monde extérieur, vous voyez? À propos de monde extérieur, là, il y a tout le monde qui est en train de descendre. Tout le monde est descendu, là. Attention, on peut regarder. Regardez deux secondes, et venez ouais, voir. Oui, mais bon, il faut faire quand même attention. C'est lui, le petit scie ambulant. Tu veux regarder aussi? Alors, madame, là, les autres dans le bus, là, on ne comprennent plus rien. Est-ce qu'il faut descendre? On est en chantier, c'est ça? Pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le tour continue ici? Ça fait partie de la... Voilà, c'est un chantier. Voilà. Ici, on est sur... C'est pas avec quoi, le béton? C'est un chantier. Tu vois juste là, il faut monter et descendre les fenêtres. Ça va plus. Explique un peu, Paco. Tu parles pas italien? C'est un peu dangereux là. Il n'y a pas des pistes d'Italie qui dépassent. Attends, je comprends. Oui, plus basse. C'est vrai. Tu vois à travers le monde. Tu règles ici. C'est quoi ce niveau-là? Ouais, les petits, ça les intéresse. Mais vous voyez à l'intérieur, on dirait vraiment à la maison. Il faut fixer, on va retrouver leur chambre là-dedans. Parce que de ce que tu veux faire, tu fixes une chose et puis après tu tournes jusqu'à ce que tu aies la netteté. T'arrives? Ah, comment? Alors regarde un petit peu moins loin. Tu regardes de ce côté-là, vas-y, regarde, et tu tournes cette bague-là. Ça y est, on voit quand même la touche de l'architecte. Ouais, c'est presque russe. Ouais, hein, c'est pas encore fini. Non, mais si, y a... regarde. On dirait qu'il y a des gens qui dorment. J'espère qu'ils vont peindre ces vêtements. C'est tout des préfabriqués, hein. Mettre des morceaux les uns à côté des autres, et puis voilà. C'est ça, il y a tout un réseau qui va être mis en place pour que les bureaux puissent... Bureau, mais c'est beaucoup trop compliqué pour un bureau. Qu'est-ce que vous voyez compliqué, madame? Je ne sais pas, les portes, on les voit à peine, on peut marcher comme ça, se heurter contre un mur, et puis après, il y a des salles de bain, vous voyez là, on dirait qu'il y a trois salles de bain là à côté de l'autre. Et puis ces arcades, elles sont... Hein? Je pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que oui, normalement, c'est pas logique. Tournez encore. Normalement, on voit vraiment tout le détail. Mais vous êtes sur quoi? Vous voyez rien? Vous pouvez tourner. Je vais vous le mettre. Alors là, on va sur la panne. C'est impossible. Passe là-dessous et ressort là. Et voilà. Ton... Thank you.